Un album de Rudy Spissert et Clémentine Mélois, Un loup sort dans la nuit. Dans cette histoire, il y a deux débuts. Ça alors, d'un côté, c'est le jour, de l'autre, la nuit. Un côté rouge, un côté bleu. Et ce n'est pas tout. Le héros est d'abord un loup, et puis un loup à cheval. Il sait faire du cheval, le loup ? Oui, c'est un loup chevalier. Il a des bottes, une épée, un cheval et une armure. Il s'avance vers le château du terrible ogre géant. Et le terrible ogre géant lui crie « Arrière, loup chevalier, ou je t'écrase !» Alors le loup chevalier jette des catapultes sur le château. Mais non, on ne peut pas jeter des catapultes. Il jette des boules de feu et le château est démoli. L'ogre géant est très fâché. Alors il envoie son terrifiant dragon. Non, c'est terrifiant dinosaure. Oui. Alors les terrifiants dinosaures se mettent à pleurer. Et le monde est recouvert par les eaux. Le loup n'est plus chevalier, il est capitaine de bateau. Il hisse la grand voile et rentre chez lui parce que c'est l'heure du goûter. Alors il mange des coquillettes. Non, du chocolat. Coquillettes. Chocolat. Qu'est-ce que j'entends ? Vous ne dormez pas encore ? Si, papa. On dort. Tant mieux alors. Bonne nuit, mes petits bonhommes. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, papa. Coquillettes. Chocolat. C'était une lecture de Clémentine Mélois et Rudy Spissert.